Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission que nous avons préparée pour vous. Allègement des mesures restrictives au Togo, éducation, bras de fer entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, la gestion des éperviers d'âmes à la canne féminine au Maroc en juin prochain. Voilà les sujets que dont nous allons débattre sur ce plateau aujourd'hui avec nos invités. Nous avons deux invités avec nous. À ma droite, nous avons le plus éveillé des journalistes togolais, Nicolas Adigli. Nicolas, bonjour. Bonjour aux fidèles téléspectateurs et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là. Je rappelle que Nicolas, il est le directeur du site Aspan News. L'agence de service de presse Afrique Monde. Voilà, c'est lui seul qui arrive à définir Aspan. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, le second, c'est le plus dangereux des journalistes au Togo. D'abord. Vous le connaissez déjà. Jérôme Soussou, bonjour. Faut pas me mettre dans la gueule du loup. Hein. Bonjour, comment tu vas? Ah oui, je vais bien. Bonjour. Mon cher Nicolas, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est plus vu. Je dis bonjour à tous ceux qui nous trouvent, n'importe où ils se trouvent actuellement. Voilà, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer avec une guerre que nous avons vécue, commencée par vivre depuis jeudi dernier, la semaine dernière. Et Nicolas, vous suivez l'actualité en Russie et à l'Ukraine. Quelle impression vous donne cette guerre que la Russie a entamée? Vous voyez, moi je me dis aujourd'hui que c'est une volonté de puissance. Et une volonté de puissance doublée d'une politique de sécurité et une politique de sécurité doublée d'une politique de communication. Comment je vais l'expliquer? Vous voyez, aujourd'hui, et la Russie, d'une manière ou d'une autre, ne veut pas accepter, d'abord, que l'Ukraine soit de l'Union européenne. Ensuite, que l'Ukraine intègre l'OTAN. Ensuite, une fois que l'Ukraine va intégrer l'OTAN ou va intégrer l'Union européenne, automatiquement, il y a une base militaire américaine qui devait s'installer en Ukraine. La Russie ne peut pas accepter, dans la mesure où, depuis 2014, Poutine a déjà annexé la Crimée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une stratégie de communication. La stratégie de communication était de dire « je fais ceci, je fais ceci ». C'est quoi? Il a déjà parlé de l'indépendance du Donetsk et du Donetsk. C'est de que lui seul reconnaît comme État indépendant avant d'attaquer. Maintenant, puisque dans sa manière de faire, la Russie, et quand je parle de volonté, c'est là où la volonté de puissance vient, la Russie a de l'arme nucléaire, et Poutine avait établi un programme bien fixé, c'est-à-dire de marcher sur l'Ukraine. Marcher sur l'Ukraine avant d'imposer un gouvernement pro-russe, ce qui fera que le gouvernement pro-russe sera l'allié de la Russie. Mais tenez-vous bien, aujourd'hui, Poutine a échoué en fait. Qu'on le veut ou non, Poutine a échoué. Pourquoi? Parce que le plan que Poutine a fait pour marcher sur l'Ukraine n'a pas marché. Et il fait face actuellement à une résistance farouche de la population ukrainienne ou bien des citoyens ukrainiens. Aujourd'hui, on va dans le sens maintenant pour dire non, que depuis que l'Ukraine était indépendante depuis 1900, dans les années 90, au début des années 90, que l'Ukraine n'avait pas de territoire limité comme ça. Or, c'est faux. Aujourd'hui, le problème de l'URSS, c'est d'abord la volonté politique. Et l'URSS ne veut même pas qu'il y ait une implantation, les États-Unis implantent une base militaire en Ukraine. Ça le dérangerait. Surtout, la Russie a déjà gagné la bataille cybernétique. Pour dire quoi? Dans le système, la Russie est arrivée aujourd'hui à scanner ou bien à intruffer les systèmes informatiques des États-Unis et même de l'Europe. Aujourd'hui, c'est aller maintenant sur le plan sécuritaire et mettre la main sur ce côté-là. Et quand il aura un gouvernement pro-russe, vraiment l'Ukraine va avoir au moins... C'est le seul pays, l'Ukraine, le seul pays qui peut, d'une manière ou d'une autre, le plus souvent être déranger Poutine. Donc pour Poutine, Poutine est toujours l'idée dans les années 1900, du 19e, nous sommes au 21e siècle, mais Poutine a toujours l'idée du 19e siècle. Du 19e siècle, c'est quoi? C'est gagner par la force. Et gagner par la force, c'est ce qu'il est en train de faire. Et malheureusement pour lui, il y a une résistance farouche qui s'est fait tuer. Vous allez voir que depuis, c'est la Russie même qui crie à aller au pourparler. Actuellement, le dialogue a commencé. Et pour, tu vois, quand je parle de communication, pour aller maintenant, le président ukrainien dit quoi? Que lui, il ira en Europe, il va intégrer l'OTAN, il va aussi intégrer l'Union européenne. Ça, c'est la guerre de communication. En fait,
il y a une volonté de puissance où Poutine pensait maîtriser l'Ukraine, mais la résistance ukrainienne a fait aujourd'hui qu'il faut aller à la table de négociation. Les tables de négociation, qu'est-ce qu'on a, on va avoir? On attend de voir ce qui va se passer. Mais tenez-vous bien, l'URSS va toujours imposer. Parce que lorsque, depuis hier, quand Poutine a constaté que son plan ne marchait pas, il a déclaré immédiatement, il a appelé les chefs d'état-major où il a parlé des effets dissuasifs, c'est-à-dire les forces, c'est-à-dire le jet de bombes nucléaires. C'est-à-dire il a parlé du jet de la bombe nucléaire pour plus dissuader encore. Vous avez vu aujourd'hui que les propos sont communicationnels, mais aussi il y a la volonté de puissance. Mais ça ne va pas arranger les choses, sincèrement. Merci. Et tenez-vous bien, ce n'est pas pour demain. Hein. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas pour demain. Mmh. La résolution, je veux dire. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, je ne vois pas la chose telle que Nicolas l'a vu. Mmh. Moi, je crois que les pays occidentaux sont en train de nous imposer leur volonté, d'imposer leur volonté au monde entier. C'est ce que l'Ukraine, c'est ce que la Russie ne voudrait pas entendre de ses oreilles. Et puis il faut pas oublier aussi que la Géorgie, Lituanie, Lituanie, l'Ukraine, Estonie, etc. sont des territoires russes, c'est-à-dire de l'URSS, de l'ex-URSS. Et maintenant que on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que la Géorgie et l'Ukraine qui font la grande frontière avec la Russie vont quand même essayer d'accepter de rentrer dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. Alors que je crois en 91 ou en 94, il y avait un accord signé entre la Russie et l'OTAN qu'aucun pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, ne va pas rentrer dans l'OTAN. Et donc, si les pays de l'Est, s'il y avait un accord qui ne permettait pas aux pays de l'Est et de l'Europe de l'Est de rentrer dans l'OTAN, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les pays occidentaux vont vouloir à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est ça qui pose le problème. Et moi, je crois que le président ukrainien a été trompé en quelque sorte par les pays occidentaux. Vous avez vu la France, lorsque la guerre a été déclarée, la France ne voulait pas quand même aller à la contre-attaque. Même les États-Unis sont dit qu'ils ne vont pas quand même attaquer militairement, qu'ils vont prendre des sanctions. Et puis ces sanctions-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a la montée du prix du blé, du gaz, etc., que ça se répercute sur la population, russe. Mais je me dis que je serais à la place de Poutine, je ferais la même chose. Les pays occidentaux ne doivent pas quand même enfreindre la loi. C'était un accord signé. C'est dans ce pays où on est, ou dans ce monde où on est, où les pays occidentaux ont ravagé la Libye, ont ravagé l'Irak, etc. Mais personne ne leur a dit. Maintenant, pourquoi est-ce que ce sont eux seuls qui doivent s'imposer aux autres? Mais le débat aujourd'hui, Jérôme, c'est que, bon, est-ce qu'un pays comme la Russie, il lui est donné la latitude d'envahir un autre pays Moi, je le dis, il y avait 15 pays, si j'ai bonne mémoire, qui composent l'URSS. Oui. D'accord. Mais là, c'est un accord qui a été signé. C'est un accord qui a été signé que les pays-là ne doivent pas quand même intégrer l'OTAN. C'est un accord. Pourquoi est-ce qu'eux, ils vont vouloir violer cet accord-là? C'est pour ça que... Et puis encore que la Russie se sent menacée. Lorsque, comme l'a dit entre-temps Nicolas, lorsque la Russie va se taire et que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, forcément, il y aura une base militaire des pays occidentaux, des États-Unis, oui, bien entendu, aux portes de la Russie. Et ça constitue une menace, une grande menace pour la Russie. Et vous savez que, comme l'a dit la guerre communicationnelle, la guerre d'intérêt, la guerre économique, là, mais chacun se protège. Je serai à la place de Poutine, je ferai la même chose, peut-être pire que ce que Poutine est en train de faire. Moi, je ne le trouve pas quand même en train de faire du désordre. Sauf que
humainement, je ne suis pas d'accord parce que ce sont les populations civiles qui payent les pots cassés. Mais en réalité, ce sont les pays occidentaux qui veulent quand même embêter, en quelque sorte, hein, la Russie. Et donc, quand on signe un accord, il faudrait que des gens respectent les clauses de cet accord. Si les pays occidentaux respectent, je crois, ils sont trois, hein, la Grande-Bretagne, la France et puis les États-Unis, s'ils respectent véritablement les accords signés, même si ce n'est pas un accord écrit en noir sur blanc, c'est un accord, reste un accord, il faudrait qu'il reste cet accord-là. Et je crois que il n'y aura pas... Quand vous suivez les grands analystes à travers le monde entier, c'est-à-dire le temps qu'on se suit aujourd'hui, la menace, la grave menace du monde entier. Donc il va falloir que, véritablement, il y a une force qui devait quand même s'opposer à tout ça pour redéfinir la carte politique du monde. C'est en réalité ce qui se passe. Aujourd'hui, la Chine ne dit encore rien, la Corée du Nord ne dit rien. Alors que ces deux pays-là aussi constituent des puissances. Et donc, je crois que l'OTAN, là, on doit revoir sa copie pour quand même cesser de menacer, de constituer une menace pour le monde entier. Je crois qu'avec ce que Poutine est en train de faire aujourd'hui, ça va redéfinir la carte politique mondiale. Merci beaucoup, Jérôme. Et Nicolas, il a dit tout à l'heure que les accords sont les accords. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, une partie peut se lever et dire qu'on va réussir? Est-ce que les accords disent que lorsque quelqu'un veut rentrer dans l'OTAN, il faut l'attaquer? Non. Est-ce que les accords disent que quand on se lève... Non, les accords disent que... Les accords disent qu'aucun pays... Exactement. Est-ce que les accords disent aujourd'hui qu'il faut se lever en 2014 pour annexer la Crimée? Non. Le problème, c'est quoi? Ukraine avait un gouvernement pro-russe. Un gouvernement pro-russe qui faisait l'affaire de la Russie. Il a été démis. Et le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement pro-russe. Déjà, c'est un fait. Maintenant, la Crimée annexée en 2014. Pourquoi il faut chaque fois militer sur la race ethnique pour dire qu'il y a le pro-russe en Ukraine? C'est pourquoi les deux régions-là, ils reconnaissent ces deux régions-là comme des États. Non! En fait, il y a des Russes de part et d'autre dans tout ce pays-là, Géorgie et autres, il y a des Russes. Maintenant, pourquoi l'Ukraine étant un État indépendant et souverain, la Russie va avoir de mauvais oeil qui est une base militaire américaine? Si! Ils veulent finir. Je sais que c'est une menace pour la Russie. Et si! Ils veulent. Et tu vois, avant même que cette guerre ne déclenche, la Russie a fait quoi? La Russie a fait, comment on appelle ça, manœuvre militaire pour démontrer sa force avec la Biélorussie, avec le dictateur de la Biélorussie qui a organisé des élections, a tué. La Biélorussie, c'est aussi un territoire russe. Oui, a exilé sa population pour montrer sa force. Mais le problème, c'est quoi? Poutine avait une force dissuasive pour montrer que non, il avait la force, il avait la force. Je l'ai dit, Poutine est du 19e siècle. Sa mentalité est toujours du 19e siècle et non du 19e siècle. Sinon, ça ne devrait pas... Tout comme les pays aussi. Lorsque on met en place un accord et qu'on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas respecter l'accord, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu parlé. Est-ce que ça a été fait? Nothing. Ça n'a pas été fait. Il faut maintenant aller par la force brute. Moi, c'est ça mon problème, en fait. Lorsque dans... Et puis, vous voyez, et Poutine se lève de lui-même et on annexe des parties qui proclament indépendants des territoires de l'Ukraine. Mais c'est un peu grave. On peut avoir la force, mais on peut savoir faire. En fait, c'est ça mon problème. Aujourd'hui, on dit non, il y a déjà 250 morts du côté. Mais on ne dit pas les morts du côté russe. Oui, la Russie a déjà perdu, selon mes sous, plus de 400 militaires. Ce n'est pas rien. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Poutine, je le dis, Poutine a échoué dans son plan d'annexion de l'Ukraine. Poutine est confronté aujourd'hui à une forte résistance. C'est pour ça que, vous savez, ils sont passés par la Biélorussie pour annexer Kiev. Aujourd'hui, Kiev de la frontière de Kiev pour la frontière de la Biélorussie pour la capitale Kiev, c'est environ 100 km. Depuis la fin de l'année, il y a 5 jours, ils sont seulement à 60 km proches de Kiev. Vous comprenez avec moi que, d'une manière ou d'une autre, il y a eu résistance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que déjà, quand vous prenez économiquement les choses, la Russie et l'Ukraine produisent 30% du blé mondial. Et 30% du blé mondial, déjà, quand on dit que
les pays vont en partie, il y a nos pays africains. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie et autres, l'Égypte et autres consomment le blé ukrainien et russe. Et déjà, ça va agir sur le pain. Or, le pain constitue un aliment de base. Nous avons aussi le thé du Kenya qui est exporté vers la Russie et l'Ukraine et dans ces pays-là. Déjà, une fois que la Russie est en guerre, c'est le thé kenyan qui va tousser. C'est-à-dire que le thé là ne peut plus être exporté. Donc économiquement, le Kenya est aussi atteint. Ce n'est pas fini. L'Afrique du Sud, qui a vraiment une valeur marchande vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud expédie bien, exporte beaucoup de ses produits vers la Russie. Vous comprenez avec moi que si l'Afrique du Sud est atteinte, qui est une puissance, du moins l'Afrique du Sud est une puissance africaine, est atteinte, le Kenya et même le Ghana, qui a déjà mis des stratégies en place pour voir l'Ukraine, il y a une forte communauté ghanéenne en Ukraine qui sont basées dans le domaine informel, mais économique, qui a quand même une certaine rentabilité. Donc tout ça là pour dire que dans cette guerre, l'Afrique est aussi atteinte. Donc Poutine, dans tout son élan de volonté de puissance, engendre ces conséquences qui seront néfastes, y compris pour le continent africain. Nous sommes aujourd'hui, il n'y aura plus l'effort de guerre, comme on va nous appeler maintenant pour dire, venez, on va partir, et on vient nous arrêter pour dire, on doit produire, ça ne va plus, mais seulement, nous allons en partir. Si nous allons en partir, c'est que le continent africain va en partir. Et c'est ce qui est néfaste, parce que dans sa volonté de puissance, Poutine met à terre presque un continent. Moi, je parle de l'Afrique parce que je suis africain après tout. Et une fois que le pays tunisien a atteint, tout ce qu'on nous amène par spaghetti et autres vers chez nous ne vont plus venir. Du moins, quand ça sera là, ce sera encore plus cher. Le baril du pétrole qui a aujourd'hui augmenté. Si on augmente le pétrole aujourd'hui, le transport va augmenter au Togo. C'est la population qui va faire quoi? C'est la qui va en partir. Conviendrez avec moi que cette situation n'arrange personne. Et que Poutine, normalement, dans les faisabilités des choses, comme Poutine a toujours négocié, ils ont toujours un téléphone rouge pour s'appeler, pour discuter. Je pense que Poutine n'a pas voulu faire ça et veut aller à la volonté de puissance. Et c'est ce qui est grave aujourd'hui. Moi, je dis que cette guerre n'aura pas seulement de conséquences néfastes sur l'Afrique. Ça aura également des conséquences néfastes sur la France et tous les autres pays. Tous les autres pays, parce que le gaz russe est consommé par les pays occidentaux. Et donc, si le gaz n'arrive plus dans leur pays, mais ils vont avoir forcément des soucis. Et donc, moi, de toute façon, j'ai suivi ce matin même ou avant-hier que la France a appelé au dialogue. Le président ukrainien a accepté le dialogue, il va parler à aussi, mais que ça va se dérouler à la frontière. De toute façon, ça devait commencer, je crois, aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, je dois être déjà en pour parler. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, moi je me dis que avec tout ce qui se passe là, ça va redéfinir la carte mondiale, politique mondiale. C'est-à-dire qu'aucun pays, fut-il des pays occidentaux ou de la Russie, va se lever pour dire que lui seul a la puissance pour imposer sa volonté aux autres. Ce ne serait plus possible. Que ce soit la guerre ou les pourparlers, est-ce que la Russie peut être sortie gagnante de Est-ce que dans cette histoire-là, quelqu'un va sortir gagnant ou quelqu'un va sortir gagnant? Mais puisque si on dit que la guerre va avoir répercussions sur tous les continents, cela veut dire que personne n'est sorti gagnant. Le plus important, c'est qu'ils aillent à ce dialogue-là, un dialogue sincère, pour dire ce qui leur a lieu véritablement de faire pour qu'on finisse cette guerre. Moi, j'ai suivi même le président ukrainien qui dit qu'il va appeler au cessez-le-feu, si véritablement les choses... Donc je crois que le plus important, c'est d'aller à ce dialogue, de discuter profondément pour mettre fin à... Maintenant, les conséquences, des fois dans moi, je continue de parler, c'est les pertes en vies humaines. Les pertes en vies humaines sont des innocents qui ramassent les pots cassés et ça a des répercussions. Par exemple, si nous prenons la communauté ghanéenne qui avait crié, qui avait appelé son gouvernement à faire en sorte que qu'on les rapatrie, et les autres pays aussi, les autres ressortissants, autres. C'est que tout ce qu'ils faisaient là-bas pour leur paix quotidienne. Lorsqu'ils vont revenir au pays et retourner, il faut voir tous les dégâts que cela va quand même, le désagrément que cela va leur constituer. Et donc,
faire la guerre, moi je ne vois pas l'intérêt. Mais de toute façon, ça permettra quand même de revoir les choses et les puissances là vont se dire attention, il n'y a personne aujourd'hui qui va se dire elle est toute puissante et il faudrait qu'elle regarde derrière parce qu'il y a le continent africain. Moi je m'étonne qu'aucun pays, aucun président africain ne veut mettre son bec dans cette histoire. La CEDEAO pondu un communiqué. La CEDEAO, c'est que pondre des communiqués. Ce ne sont pas les communiqués. Ces communiqués ne vont pas rentrer dans les oreilles de Poutine et les autres. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils agissent parce que tu sais qu'ils ont. Ils agissent en faisant quoi? Je ne sais pas. Eux seuls le seront. Mais je sais que chacun de ces présidents africains-là ont un penchant vers l'un ou l'autre. Ceux qui sont dans cette guerre-là, je crois que forcément, on va les appeler hein, de se préparer, de soutenir. Et je ne sais pas quel est ce président qui, véritablement, va lever son petit drapeau pour s'ingérer dans cette histoire, de peur que, bon, Poutine sorte ses armes dissuasives. Donc, de toute façon, c'est vrai, ils ont commencé la guerre, ça fait déjà une semaine, cinq jours pratiquement une semaine. Donc c'est bien qu'ils aillent à ce dialogue. On attend jusqu'à demain matin pour voir ce qui va sortir véritablement de ce dialogue-là. C'est le plus important. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ce débat, on va le clôturer et aborder un autre sujet. Nous allons maintenant revenir dans notre pays, le Togo, ou bien on va faire une petite pause et on revient après.